Je devrais trouver ce que je cherche là-dedans. Bon génie, chasseur de rêves, non? Bague d'invisibilité. Bague des délices. Non. Ça y est, voilà, c'est la bague de Stella. Le sceptre du pouvoir, venant en ligne directe des ancêtres de la princesse du soleil et de la lune de Solaria. Ce qui veut dire que cette bague t'appartient. Bien sûr que oui, j'aurais pu vous dire ça moi-même, vous savez. Le sceptre bague est dans ma famille depuis la nuit des temps et pour l'éternité. Oui, mais ça ne nous dit pas pourquoi les sorcières sont tellement avides de la posséder. Mais c'est un objet qui a beaucoup de valeur. Les tricks ne sont pas de vulgaires malfrats, il doit y avoir autre chose là-dessous. Excusez-moi, mais je pense que j'ai oublié ou que je n'ai pas compris. Qui sont les tricks? Ah mais si, tu sais bien, c'est le surnom que nous avons donné à nos trois sorcières préférées. Quoi qu'il en soit, je dois dire que j'ai découvert beaucoup d'autres choses très intéressantes sur ta bague dans le livre que j'ai trouvé à la bibliothèque. Selon la légende, l'épée de Solaria a été créée il y a très longtemps. D'ailleurs, personne ne peut dire quand tellement c'est loin. Elle a été sculptée dans un matériau plongé dans la lumière du printemps. Une pierre qui flotte toujours dans l'espace et qui fait partie des nombreux présents que le grand feu sacré nous a offerts. Oh waouh! Et moi qui croyais que l'histoire de Solaria était méga ultra ennuyeuse. C'est quoi exactement le grand feu sacré? Excellente question, Miss Tecna, je vous félicite de l'avoir posée. Et tu imites drôlement bien Griselda. Écoutez ça! Selon la légende, l'univers enchanté de la dimension magique telle que nous le connaissons a été créé il y a des billions d'années par le dragon mythique qui a répandu le grand feu sacré. Est-ce que le dragon a vraiment existé ou est-ce que c'est seulement un symbole mythique? Eh bien, je crois qu'il représente un idéal, tu comprends? C'est l'incarnation du bien contre le mal. Oui, bien sûr, je vois. Ça t'ennuierait de répéter ça en français? Stella, tu connais sûrement cette histoire. À vrai dire, l'histoire ancienne n'est pas trop mon point fort. Oh, c'est évident, une princesse a d'autres priorités. Oui, le shopping, par exemple. J'aimerais en savoir plus au sujet de ce dragon. Je crois que je vais retourner à la bibliothèque. Je trouve qu'il y a trop de questions qui restent encore sans réponse. Bah, tout à l'heure, Boum. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que le dragon n'est pas qu'une légende. Il y a quelque chose de plus dans cette histoire. Quelque chose de très important, je le sens. Peut-être puis-je faire quelque chose pour toi? Oh. Madame Faragonda. Viens avec moi. Assieds-toi. Merci. Tu veux tout savoir sur le dragon? Eh bien, c'est une longue histoire. Au commencement, il n'y avait rien. Ensuite, sortie de l'obscurité, une lumière éblouissante apparut. C'était le grand dragon. Et de son souffle d'où jaillissaient des flammes, il créa une multitude de mondes différents. Et il répandit la vie, la lumière et la chaleur à travers l'univers. Au bout d'un certain temps, épuisé, le dragon décida de s'allonger et de se reposer et choisit un lieu du monde Domino. Mais d'après Stella, il paraît que Domino est un endroit glacial, sombre et inhospitalier. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, il régnait le bonheur ainsi que la prospérité. C'était avant que les sinistres visages attaquent Domino et éteignent le feu du dragon une fois pour toutes. Depuis ce temps, la dimension magique n'a plus jamais été la même. Oh, waouh! Dis-moi, Bloom, pourquoi t'intéresses-tu tellement à ce dragon? Je ne sais pas, je suppose que c'est par curiosité, tout est si nouveau pour moi ici. Oui, je comprends, c'est assez normal. Bon, je vais vous laisser et je vous remercie. Quand même, je voudrais bien récupérer ma bague. Oui, et je crois qu'il est temps de se lancer à l'attaque. Voyons, Tecna, on n'est pas des soldats. Que veux-tu qu'on fasse contre Icy, Darcy et Stormy? Il faut les prendre par surprise. Cette fois, je crois que c'est nous qui devrions aller chez elles. Oui, jetons-nous dans la gueule du loup. Mais, les filles, vous êtes tout à fait certaines que c'est la bonne solution? T'inquiète, on ira avec un plan d'attaque infaillible, tu verras. Vous vous souvenez des tunnels sous l'école qu'on a découverts il y a un certain temps? Utilisons-les pour aller à la tour nuage. Cette nuit, quand toute Alphéa dormira profondément, les Wings passeront à l'action. Nous devons nous entourer d'un bouclier de sécurité au plus vite. Non, pauvre
mon petit nez. Quoi de neuf? Nous redeviendrons ce que nous fûmes dans le temps. En ce temps-là, il n'y avait aucune explosion. Aucune explosion. Je retourne me coucher. C'est impossible. Non, c'est absolument hors de question. Bague stupide, où est passée ta grande énergie? Où l'as-tu donc cachée? La bague de Stella a peut-être énormément de pouvoir, mais je crois que... Façon un peu réaliste, comment veux-tu que dans cette petite chose, il y ait le pouvoir du dragon? Pas besoin d'être un génie pour le deviner. Calme-toi. Après tout ce que j'ai dû endurer pour mettre la main sur cette bague, je ne veux pas entendre de telles bêtises. Imbécile de fée, cette bague ne sert à rien. Mais rien ne nous détournera de notre but ultime que nous avons décidé d'atteindre. Le pouvoir des flammes du dragon sera nôtre, même si nous devons recommencer nos recherches depuis le début. T'es sûre que c'est la bonne direction? Fais-moi confiance, Flora. On va arriver directement sous la tour nuage du château. Elle salisse tout et c'est moi qui dois nettoyer, bien sûr. Je vais vous dire, l'explosion d'une bombe ne ferait pas autant de dégâts sur son passage. Aurais-tu un problème, Nat? Oh, non, pas du tout. Je pensais tout haut au cadeau que je pourrais vous offrir, un aspirateur peut-être. Fini de nettoyer tout ça et ensuite viens nous rejoindre. Nous serons dans la forêt. Et que ça saute, tu entends? Oui, c'est ça. Elle n'arrête pas de dire que je suis stupide, que je suis bon à rien. Mais quand il faut nettoyer, elle demande à qui? À Nat. Toujours à Nat. Nat! J'arrive. Waouh, Plume, tu avais raison. L'entrée souterraine de la tour nuage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'il va falloir utiliser nos pouvoirs magiques pour trouver les Trix. Nat! Peut-être pas, en fin de compte. Où est-il encore passé, ton ogre horrible? J'aimerais savoir pourquoi nous devons toujours l'attendre. Nat! Les filles, vous êtes prêtes? Ça va, par ici, suivez-moi! J'arrive! C'est sûrement la chambre de nos trois copines. Oui, et mon odorat me dit que l'ogre doit habiter ici. Mettons-nous au travail, la bague de Stella doit se trouver quelque part dans le coin. Et nos trois sorcières peuvent faire leur apparition d'un moment à l'autre. Regardez ça! C'est pas très rassurant. Qu'en dites-vous? Vous voulez voir quelque chose de pire? Regardez ça! Oh! Quelle horreur! J'en veux pas de ce truc, ça me dégoûte! Oh, je vous jure, elles sont vraiment dingues! Je me demande où elles ont pu aller à cette heure de la nuit. À mon avis, elles ont donné une fête ici. Vous vous rendez compte? Si ce sont les restes de leur dîner, heureusement qu'elles ne m'ont pas invitée. Regardez! C'est la bague sceptre! Quel bonheur de te retrouver, ma petite chérie! Est-ce que je t'ai manqué? Oh. Bon, on peut y aller maintenant. Soit le verrou est bloqué, soit il y a un mécanisme de sécurité. Il y a sûrement une autre sortie. Il y a quelque chose derrière cette porte. Mon instinct me le dit, elle ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Je sens que ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Ce n'est pas le moment d'écouter ton sixième sens. Ce qu'on veut, c'est quitter cet endroit. Attendez une minute, c'est peut-être très important. Waouh! Quelle pièce bizarre! Ce sont les archives. Qui sait ce qu'il peut y avoir dans ces livres? Jetons un coup d'œil. Quelqu'un est venu fourrer son nez dans la salle des archives. Voyons un peu de qui il s'agit. Oh, surprise! Les fées viennent nous rendre une petite visite. Nous allons les accueillir chaleureusement. Celui-là raconte l'histoire d'une fée, Éléanor de la Rochefeu. Et celui-là parle de la vie d'une sorcière du nom d'Adagild. J'en ai la chair de poule, c'est terrifiant. Est-ce que vous vous rendez compte? Les histoires de toutes les sorcières et de toutes les fées qui ont jamais existé sont réunies ici. Oui, Bloom, c'est fascinant, mais ce qui serait aussi fascinant, c'est de sortir d'ici. S'il vous plaît, faites-moi plaisir une petite minute encore. Si jamais il y a un livre qui parle de moi ici, ça me donnerait l'occasion d'en apprendre plus sur moi et sur mes pouvoirs. D'accord. Mais il ne faut pas traîner. Ce livre devrait être quasiment neuf. Peut-être même que sa couverture est en couleur. Tiens. C'est pas vrai, tu l'as trouvé? Tu ferais peut-être mieux de ne pas le lire. Réfléchis une minute. Et si ce livre contenait ton avenir? Et alors, où est le problème? Moi, je me ferais couper une main pour savoir ce que me réserve l'avenir. Et ce que l'avenir nous réserve n'est pas forcément aussi agréable que ce qu'on souhaite. Si j'étais toi, je ne l'ouvrirais pas. Mais la décision t'appartient. Et je voudrais seulement découvrir les pouvoirs que je possède, Tecna. Rien de plus. Il faut que je sache d'où ils me viennent. Rien qu'un petit coup d'œil.
Alors, je vous ai causé une grande frayeur, les filles. Mais ce n'est qu'un début. Je vais très vite vous faire regretter votre intrusion. Mais le livre... Blue, ce livre n'a aucune envie qu'on l'ouvre. Partons d'ici. Allez, viens. Du calme, mes petites fées. Ne soyez pas si pressées. Wow. Je n'ai pas envie de jouer les rabat-joie, mais... je crois qu'on est dans le pétrin. Il faut qu'on trouve une solution. Et en vitesse. Voyons ce que donne une petite touche de mon pouvoir. Pas la moindre égratignure. Alors, une autre idée, peut-être? Réunissons nos pouvoirs. Elle a raison. Essayons Wings, le mot magique. Bon, vous êtes prêtes? Toutes ensemble, allons-y! Quitter cet endroit semble être quelque chose d'impossible. Nous n'avons jamais emprunté ce tunnel. Ce n'est pas par là qu'on est arrivé. Comment peux-tu en être sûre? Ils se ressemblent tous. J'ai une mémoire visuelle infaillible. Je remarque chaque détail. S'il vous plaît, les copines, dites-moi qu'on n'est pas complètement perdus. Les araignées géantes! Elles arrivent de partout! Alors, vous avez une autre idée? Parce que ces grosses bêtes n'ont pas l'air très sympathiques. Il faudrait créer un bouclier de protection qui les tiendrait à bonne distance. Oh non! Elles ont réussi à ouvrir une brèche! Il faut faire quelque chose, vite! Je viens d'avoir une idée. Prête, suivez-moi! Tu aurais de l'insecticide? Inutile, Stella. On va faire appel à l'ennemi naturel des araignées. Et voilà, le plus grand amateur de ces sales bêtes. Alors, les leçons du professeur Palladium n'auront pas été tout à fait inutiles en fin de compte. Pourquoi tu dis ça? Tu en doutais? Vous savez, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas encore vraiment sorti d'affaire. Bloom a raison, c'était un peu trop facile. Hé, on va pas se déclarer vaincu d'avance. On vient de régler un problème avec beaucoup d'efficacité. Stella? Je ne voudrais pas te faire de peine, mais on a intérêt à se dépêcher. Oh! Vite, par ici! Allons-y, les filles, on s'envole! Attention, prêt, partez! D'accord, mais comment on sort d'ici? On n'a pas le choix. Il va falloir l'affronter. On a un problème. On n'en a plus. Où sommes-nous? J'avais entendu parler de pièces de ce genre, mais j'aurais jamais cru qu'elles existaient en vrai. Les sorcières sont des créatures terriblement désordonnées. Au lieu d'avoir une bibliothèque où tous leurs biens seraient catalogués, elles balancent tout comme ça n'importe où. Quel silence angoissant!
J'ai un mauvais pressentiment. Oh, 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 une blatte monstrueuse. Oh, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de cette chose. Brûle soleil. Mais où est-elle passée? Oh, la voilà. Étouffée dans l'œuf. Oh, quelle horreur. Oh, une rôtie. Merci beaucoup, Stella. La fumée est si épaisse que je ne peux plus respirer. Les flammes nous empêchent de passer. Encore prise au piège. Tout ça est ma faute. S'ils sont ici, c'est à cause de moi. Rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas touché à ce livre. Bloom. Ah ! Viens, Bloom. Bloom, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Où est-ce que tu vas ? Viens avec moi. Suis-moi. Je vais te conduire en sécurité. Hé, les copines, regardez Bloom ! Oh, waouh ! Ça, c'est fort ! Bloom, Qu'est-ce qui vient de se passer? Aucune importance, on en discutera plus tard. Pour l'instant, filons avant qu'il ne soit trop tard. Ça prend bien. Bon, alors raconte, comment tu nous as sortis de là? J'ai tout simplement entendu une voix qui me disait comment agir pour être hors de danger. C'était une voix gentille et très douce qui s'est adressée à moi à travers les flammes. Eh bien, quoi qu'il en soit, je dois dire que ça nous a sauvé la vie. On a beaucoup moins chaud ici. Stella, tu es tellement drôle que je vais mourir de rire. Et notre plan a fonctionné. Les sorcières n'ont plus ma bague sceptre désormais. Les Winx ont repris le pouvoir. Oh, enfin, on va pouvoir se reposer. Il était temps. Tu peux le dire, je suis épuisée. Je ne sais pas si j'aurai la force de suivre les cours. Je n'ai plus aucune énergie. Oui, je crois qu'on va toutes se déclarer malades aujourd'hui. À ce que je vois, une seule chose vous intéresse, enfreindre le règlement. Vous vous êtes mise dans de sales draps, mesdemoiselles. Ce matin, j'ai reçu un message du professeur Griffin, la directrice de la tour Nuage. Ma collègue était furieuse. Elle m'a appris que vous vous étiez introduite dans son école cette nuit. Est-ce bien la vérité? Il n'est pas question que je tolère ce genre de conduite dans mon institut. Alors, mesdemoiselles, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je vous assure, madame, que nous... si je puis me permettre, quelle que soit leur motivation pour avoir agi comme elles l'ont fait, leur punition doit être exemplaire. Que voulez-vous dire? Étant donné que ces élèves ont eu l'audace de sortir sans permission, à mon avis, leur punition devrait être la révocation de leur pouvoir magique, et cela jusqu'à ce que vous décidiez de le leur rendre. Mais, madame, vous ne ferez pas une chose pareille? Vous croyez ça? La liste des choses que je ne peux faire est courte. Et révoquer vos pouvoirs ne fait pas partie de cette liste. On devrait rester allongé sur nos lits et végéter quelque temps. Peut-être que si tu n'avais pas mis Faragonda au défi, elle aurait été plus indulgente avec nous. Ça n'aurait sûrement pas changé grand-chose. Je suis certaine qu'elle sait exactement ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle doit penser qu'on est très naïf de s'être laissé avoir par le livre de Bloom. C'est normal, mais comment pouvait-on deviner que c'était un piège? Et maintenant, plus une seule de la bande n'a de pouvoir. Pour moi, ce n'est pas trop grave. J'ai passé ma vie jusqu'ici sans aucun pouvoir. Mais nous devons les récupérer! C'est le seul moyen que nous avons de résoudre ce mystère. Je sais comment retrouver nos pouvoirs. Il suffit que je dise le mot « Winx ».